Bonjour, Kino Trailer vous annonce les films qui arrivent sur Netflix. En mars 2024, entre nouveautés et ajouts de catalogue. À vos agendas, le 1er mars, Spacemancer est le film SF le plus intrigant. De ce début d'année 2024 avec l'acteur Adam Sandler. Aussi bon dans le registre comique que dans le registre dramatique. Pour ce long métrage intitulé Spacement, l'acteur est dirigé par le réalisateur Johan Rank, Viking, Tchernobyl, est plongé dans une aventure spatiale et fantastique. Le 8 mars, La Demoiselle et le Dragon après Stranger Things et Enola Holmes, Millie Bobby Brown est de retour dans une nouvelle aventure spectaculaire sur Netflix. Dans La Demoiselle et le Dragon, la jeune actrice incarne la princesse Elodie, fille dévouée qui accepte d'épouser un prince séduisant. Mais elle découvre qu'elle a été piégée et choisie pour être sacrifiée et rembourser ainsi une dette ancienne. Le 15 mars, Irish Wish après Noël tombe à pic. Lindsay Lohan est de retour dans une comédie romantique sur Netflix. Dans Irish Wish, l'actrice plonge dans un monde fantastique qui bouleverse la vie de son personnage. Elle incarne Maddie, une jeune femme qui accepte d'être demoiselle. D'honneur au mariage de sa meilleure amie en Irlande avec l'homme qu'elle a toujours aimé. Mais quelques jours avant la cérémonie, Maddie s'assied sur une chaise. Aveu dans la campagne irlandaise et souhaite connaître le grand amour. Elle se réveille en futur marié, le 29 mars, le salaire de la peur. Vous connaissez le salaire de la peur, le chef-d'œuvre d'Henri-Georges Clouzot. 70 ans plus tard, Julien Leclerc, Lasso. Braqueur, sentinelle, et ami de Liu a remis cette histoire au goût. Du jour avec une nouvelle équipe de choc dans une nouvelle itération. Moderne, intitulé aussi Le salaire de la peur. Dans ce thriller d'action survitaminé, les personnages ont moins de 24 heures pour convoyer deux camions bourrés des accents aigus explosifs et empêcher une terrible catastrophe. À suivre.